Je vous demande d'avoir une pensée toute particulière pour M. Teino Maraoul. Une entrée dans l'opposition en silence, en mémoire de l'ancien maire de Rangiroa, pour les élus autonomistes touchés par le décès d'un des leurs. Rien n'est laissé au hasard dans l'hémicycle, surtout pas le symbole d'unité et de cohésion de la toute nouvelle majorité arborant la couleur du parti. Symbole également, le chant engagé de feu Henri Hiro, entonné par les élus tavinés. La majorité sortante et les non-inscrits ne présentant aucun candidat, le maire de Paea, Anthony Géraud, sera seul prétendant au perchoir. Nos salutations à cette présente assemblée, à cette nouvelle assemblée. Féliciter chacun des nouveaux élus qui nous ont rejoints dans cet hémicycle et leur dire, bien sûr, d'ores et déjà, que ce sera avec plaisir que nous travaillerons ensemble ici. Cette élection s'inscrivant dans la continuité des élections d'il y a 15 jours, Monsieur le Président, nous ne présenterons pas de candidat contre Monsieur Géraud. 29 voix suffisent pour élire le président de l'Assemblée. Anthony Géraud en recueillera 41, 38 du Tavigny, auxquels s'ajouteront contre toute attente les trois des non-inscrits. Nous voulons aussi montrer que nous sommes une minorité constructive. Nous ne voulons pas nous opposer, mais par contre, nous demandons aussi qu'on soit respecté. Pour la troisième fois de sa carrière politique, Anthony Géraud s'est proclamé président de la nouvelle Assemblée. Dans son discours largement axé sur le passé, il ne manquera pas d'épingler l'État, évoquant, je cite, la bonne formule pour lutter contre l'instabilité. C'est ainsi que les indépendantistes du Tavini Hulatira ont été à la faveur d'une énième modification de la loi statutaire et électorale exclue du pouvoir en 2013. Avec la perspective non avouée qu'avec cette stratégie, les fomenteurs de cette manœuvre allaient arriver à écarter définitivement le risque indépendantiste de l'échiquier politique du Fénoua. La majorité a basculé. L'aboutissement d'un long combat pour le parti indépendantiste et le début d'une mandature concrétisée par la très prochaine élection du président du pays. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.